est dinguerie. Asseyez-vous, franchement, dinguerie. Apparemment, le mot halal sera dorénavant interdit et sera remplacé par le terme abattage rituel. Mais bien sûr que non, c'est pas vrai. Vous avez cru que c'était l'anniversaire à Zemmour ou quoi? Mais d'où sort cette histoire en fait? Eh bien, tout a commencé sur TikTok. Tu as un TikToker, Coach Didi, qui de base fait du contenu politique et éducatif, qui a lancé cette rumeur sur sa page pour rigoler et pour se faire hyper un peu aussi. Parce qu'on le sait tous, TikTok adore les rumeurs. Mais bon, après, Coach Didi a quand même bien précisé à la fin de sa vidéo qu'il avait dit ça pour rigoler et que ce n'était pas vrai. Le terme halal est maintenant définitivement banni du vocabulaire en France. Bon, bien sûr, je te dis des conneries, c'est mon fond d'humour. Mais s'il vous plaît, qui regarde réellement les vidéos jusqu'à la fin? Pas beaucoup de personnes, on est d'accord. T'as ceux qui vont très vite paniquer à la moindre info un peu choquante ou un peu chaude, sans vraiment chercher à comprendre le pourquoi du comment. D'ailleurs, range vite ton doigt là, toi qui voulais me scroller. Tu vas bien rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ça ne te fera pas de mal de rester concentré plus de 3 minutes pour une fois. Bref, revenons-en à notre fake news. Donc tu as ceux qui paniquent, mais tu as aussi les petits malins qui ont très bien compris comment fonctionnent les réseaux sociaux, et qui vont juste prendre une partie de la vidéo, la couper, la remonter, et ensuite la faire tourner pour générer un maximum de vues. D'autant plus que le fonctionnement des algorithmes ne n'aide pas, parce qu'on le sait, les contenus qui génèrent le plus d'engagement sont également les contenus qui vont être mis le plus en avant sur les réseaux. Et à ce niveau-là, eh bien les fake news, ça fonctionne très bien. Ben oui, t'es choqué, tu commentes, tu partages, et puis ça devient viral et c'est mis en avant. Et force est de constater que c'est surtout des contenus négatifs et anxiogènes qui vont fonctionner le mieux. C'est d'ailleurs ce qu'explique très clairement le directeur de recherche au CNRS, David Chavalarias. Et puis ben, une simple preuve, c'est le nombre de vues qui ont été générées sur base de cette fake news. Après bon, on n'est quand même pas au même level que la fake news entre Hakimi et sa femme, qui elle avait carrément été relayée par des médias spé. D'ailleurs, je t'invite à aller check la vidéo qu'on avait fait là-dessus. Mais bon, tu as quand même une page TikTok de 120 000 abonnés, curieux du savoir, qui a relayé cette fake news, et de base, ben, cette page, elle publie du contenu d'information sur les conditions de séjour des étrangers. Du coup, eh bien, c'est une page qui est prise au sérieux par beaucoup de personnes, donc ça a clairement contribué à répondre cette fake news et à la rendre crédible d'une certaine manière. Je précise quand même que leur vidéo a fait plus de 2 millions de vues et a généré des milliers de commentaires dans lesquels tu peux voir que les gens sont clairement crédules. Mais la famille, combien de fois je vous ai demandé de rester concentré? Déjà une grosse annonce comme ça, de base, c'est un peu bizarre que la première fois que tu la vois ou que tu l'entends, bah ce soit sur TikTok, non? Sans oublier qu'on la retrouve uniquement sur TikTok. Ensuite, eh bien, à aucun moment la personne ne vous dit d'où elle sort cette information. Tout ce qu'on sait, c'est que cette décision aurait été prise suite aux réactions de certains Français qui se sentaient mal à l'aise avec l'écriture arabe et la prononciation du mot halal. Mais les gars, vous pensez vraiment que c'est aussi facile? Pour qu'une loi soit adoptée, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On sait qu'il y a toute une procédure et je vous en épargnerai les détails. Donc non les amis, ce n'est pas parce que les Français seraient soi-disant fâchés que ça y est quoi. En tout cas, heureusement que t'as quand même des vrais journalistes qui ont décidé de faire une petite investigation, comme 20 minutes, qui a contacté le ministère de l'Agriculture, qui a clairement démenti en disant que ce sont des fake news. Donc oui, il est donc bien toujours possible d'afficher merguez halal dans une boucherie ou encore dans un supermarché. Mais ne vous sentez pas bête si vous y avez cru, parce que l'on est tous prédisposés à se faire avoir par les fake news. Tout simplement parce que notre cerveau là, eh bien il aime ça. Il va par exemple nous amener à chercher des informations qui soutiennent notre point de vue et à rejeter ce qui le contredit. C'est un peu comme ceux qui croient que les réfugiés représentent une menace à la sécurité, eh bien eux seront beaucoup plus réceptifs aux histoires de crimes commis par les réfugiés. Et ici dans le cas du halal, la croyance serait que la France a un gros problème avec l'islam, ou encore que l'islam est un gros problème. D'ailleurs, ben, t'en as plein qui étaient grave contents de cette fake news. Et puis sans compter le fait qu'on ne va pas toujours prendre le temps de vérifier une information, et encore moins quand elle va dans notre sens. Bref, tout ça ce sont des biais cognitifs qui sont en gros le moment où tu ne vas plus traiter une information de façon logique et rationnelle. Et bien ça là, il y en a encore des tas comme ça. Donc voilà un petit peu le trajet d'une fake news, c'est aussi bête que ça, mais c'est aussi pour ça que c'est important de remonter le fil d'une information avant de la relayer les gars. Alors je ne sais pas si parmi vous certains avaient vu passer cette information, et est-ce que vous vous étiez fait avoir ou pas? Dites-moi tout en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. T'as kiffé cette vidéo? Eh bien bonne nouvelle, il y en a encore plein à visionner, puis n'hésite pas à t'abonner.